la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Je vous prie de vous lever. Nous lirons dans Tite chapitre 2, du 11e au 14e verset. La Bible dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. Avançons tous devant le Seigneur. Je me confie en toi, Seigneur, agneau béni du calvaire. Je m'incline à ta croix, humblement, sauve-moi maintenant. Je me confie en toi, Seigneur. Agneau béni du calvaire, je m'incline à ta croix, humblement, sauve-moi maintenant. Longtemps mon cœur t'a cherché, les mal à règne des dons, Jésus m'est par la douceur, je laverai ton péché. Je me confie en toi, Seigneur. Agneau béni du calvaire, je m'incline à ta croix. Humblement, sauve-moi maintenant. Je me confie à toi, Seigneur. Agneau béni du calvaire, je m'incline à ta croix. Humblement, sauve-moi maintenant. Je me confie à toi, Seigneur. Agneau béni du calvaire, je m'incline à ta croix, humblement,
Sauve-moi maintenant. Amen. Amen. Toi, Sangani, toi, Sigila, ou du Mikala, Alpha, Noméga, Tubangane, Banfumo, Hatugala Mokujija, toi, Sigija, Abidineba, Biosumuba, Tumbi Web, Mujina, Bolto, toi, le Belgian Manebius, Christo, Amen. Amen. La sœur de Gracia, Ngelezi, loue le nom du Seigneur. Parce qu'elle était entrée dans les toilettes. Les installations se sont effondrées. Il n'y a eu que sa tête qui était au dehors. Gloire soit rendue au Seigneur. Elle est sortie bien portante de cet accident. C'est pourquoi elle loue le nom du Seigneur. Maintenant, veuillez vous lever, nous allons le louer. Si on peut allumer les micros d'ambiance. Que le Seigneur vous bénisse. Maranat numéro 46, Kudiche Yemenu.
Kristo, Kristo, que ninguém aguenta. Que
Kimbe, oh, dina, kakai, bukimbe,
Alléluia, ton sang divin en vie. Tu n'en pas ta chaîne, ne peux pas Jésus à ta divine. Pas que la lubila, boulou, pas mouti, les dios de la bouffée. Alléluia, pour Kajika. Kumi bunda bunda ya Yesu, te kuna kapete la joto ibwa. Kumi bunda Kajika. Alléluia, tasa. Wapanila Yesu tulune kulumba mi tuvende anyi wakwela mpaka Yesu ukelishi wabatu timba eyo ukelene waluse zambi waluse zambi wakwela neza Chilombo Yesu tuma Zambia kwa mbile mandu Chilombo Yesu tuma Kipo wa manasi Chilombo Yesu tuma Zambi kwa mbile mandu Chilombo Yesu tuma Kipo hila mwewa Aniwa kwela mpanta Oh Yesu tuma Ikujida mungilu Oh Yesu tuma Zambia kwela mwenga Oh Yesu tuma Kipo wa manase Oh Yesu tuma Zambia mwana mamwewa Oh Yesu tuma Anyi wa kwela mpata Oh, Yesu tuma Bakambila mbalama Waela Bana baisa lenga Kula u Bakaswaye kwa kula Yeye wa Kambi kisha ya kubu Timba eyo Ukelenge waluse Zambi waluse Zambi wakwenda nenda Chilombo Yesu tuma Tulu kafuna bulumbu Chilombo Yesu tuma Zambia kwela muyenga Chilombo Yesu tuma Yoko wishida mudilu Chilombo Ani wa kwela mpata Oh Yesu tuma Tulu kafuna bulumbu Oh Yesu tuma Zambia mwana mamwewa Oh Yesu tuma Kipo wa manasi Oh Yesu tuma Kipo ushida mujilu Oh Yesu tuma Ani wa kwela mpata Oh Yesu tuma Kipo hila mwewa Oh Yesu tuma Tulu kafuna bulumbu Oh Yesu tuma Zambia kwela mwenga Oh Yesu tuma Zambia mwana mwewa Oh Yesu tuma Samba chisungila Kumashi Amushina mukuli Ayesu
Yesu muntu wajibenesha yeye na bende shikweka shibu timba eyo mukele nge waluse zambi waluse zambi wakwe nganenda chilongo Kanga kwela mwenga Oh Yesu Tuluka funa kulungu Oh Yesu Anywa kwela mpata Oh Yesu Tuluka enda majunda Oh Yesu Nekuishi jamu jindu Oh Yesu Zambia mwana mwewa Oh Yesu Depo la famwewa Oh Yesu Zambia kwela mwenga Oh Yesu Anywa kwela mbata Oh Yesu Zambia mwana mwewa Oh Yesu Jina ya Mukalenga Jibeneshibwa. Il est l'ange de l'Éternel. Uji mwanjelu wa wachendelele. Celui qui a commissionné notre prophète. Yeye kivumwesha mu prophète wetu mujimu. Febana madi. Mwani tubrenama mwamba ni. Je manire. Jimu ya kumatukuni inya. Mais cet ange restera avec l'église. Kadimwanje leo na shale ne kelezia. L'ange puissant. Mwanje lo wabukol. Qui était avec le prophète à Memphis. Uvune mu prophète ku Memphis. À Milltown. Ku Milltown. À Porto Rico. Ku Porto Rico. L'ange qui a ressuscité l'enfant finlandais. Mwanje lo akajulo ku bafo mwane wa ku Finland. Florence Nightingale a dit Florence Nightingale kwamba ni Frère Branham Mwane tu Branham Prie pour que Dieu me tue Sambi le bwani nzambi anshibei Florence n'avait pas demandé la guérison Florence Nightingale kwamba londo huto Elle a demandé la mort Kwamba lufu Mais Branham a prié Kadi Branham kusambila Dieu lui a donné la vie Nzambi kumuhesha moyi Le même ange Mwanjelo umumwao. Qui était avec les prophètes à Santa Maria. Uvune mu prophète ku Santa Maria. À Vandaria. Ku Vandaria. Au Texas. Ku Texas. Il est en Bujimai. Ujiku Bujimai. À Luputa 36. Ujimu Luputa. Mwako mia sambo muni sambo. Frère Branham Sando. Mwane tu Branham amulal. Il se repose. Mwikisha. Mais l'ange de l'Éternel est opérationnel. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Toi sakijila mukalenga Yesu. Merci pour le souffle de vie. Toi sakijila bwamuhu ya moyi. Merci pour la force physique. Toi sakijila bwabukole bwamubiki. Et la grâce de nous retrouver dans ton sanctuaire. Ningasa okosanganyibo mwabo webwachishile. Tu as dit à Moïse. Uvumwambile Mose ni. Que la chose ne dépend ni de celui qui vient ni de celui qui court. Bwalukimbula la ku uji Musa anyu ujunye maton. Merci Seigneur Jésus pour ta miséricorde. Twasakijile mukalenga Yesu Kristo bwalusule balushala. Et notre précieux frère, merci pour la chair. Ni précieux frère wetu twasakijile bwanko ya bwambi jumumpeshi. Merci beaucoup Saint-Pierre Djibwe. Toi sakajelo wabunyi Saint-Pierre Djibwe. Je dis shalom à cette épouse de Jésus. Njingambile kelezi mukajimusele wa Yesu uni shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Jitalala ja mukalenga jikala nenu.
Que vos cœurs ne se troublent point. Je dis shalom à tous nos internautes. Shalom à mon précieux pasteur et la sœur, moi si tout partout. Shalom, good pastor, one in the Mueno and the Moisit to Mabon, so you basanga nibwa. And shalom, particulier, mon président Georges, qui est maintenant dans notre pays avec la sœur Charlotte. Ni shalom, wahabuenda, could you président Georges in the Mueno and the Charlotte, bagage mouji to get them. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il vous a protégé et gardé dans ce long voyage. Tu dis tout ce que j'ai la moukalien, ou j'ai mouka la moukouba, la moukoula, mon moulin de lula. Vous revenez de la ville natale de notre prophète. Oui, il était à Kentucky là-bas. La ville sainte. merci Seigneur Jésus. Je donne encore une petite instruction. Que l'organe de musique soit richement béni. Des cantiques appropriés que vous avez entendus. Donc vous êtes dans l'esprit de la chose, ça c'est bénéfique. Que Dieu vous bénisse richement. Avant de lire la Bible, laissez-moi lire une citation du prophète. Combattre pour la foi. 20 juin 55. Eh bien, avant de commencer à parler ce soir, j'aimerais faire quelques déclarations. Eh bien, je ne prétends pas être un guérisseur. Je ne prétends pas être un guérisseur. C'est Fébram qui parle. Je ne suis que votre frère en Christ. Je ne condamne pas les médecins. Ni les hôpitaux. Ni les médicaments. Je crois que ce sont des dons de Dieu pour nous. Il nous a donné des choses merveilleuses par des hommes de science. Des automobiles. Des avions, des meilleurs habits, beaucoup de choses. Et nous sommes très reconnaissants pour toutes ces choses. Je ne prétends pas prendre la place du médecin. Je prie pour les médecins. Afin qu'ils aient plus de succès en vue d'aider les enfants de Dieu qui souffrent. Mais il y a des maladies pour lesquelles les médecins ne peuvent rien. Alors, nous avons le droit d'aller à ce moment-là auprès de Jésus pour qu'il nous guérisse. Djiba djabwena, tu dis ne bukenji bwakuye ku Yesu bwani atondoha. Quand les médecins diront, hikala banga kubunganga bukuba kwambani, c'est incurable. Kakwena mushindo kondo heji samaton. C'est incurable. Heji tsama kanyene mokondo hiboto. Lorsqu'il diront cela, la bouche de Dieu dit, alors, nous devons aller vers Jésus pour qu'il nous guérisse. Lorsque la gynécologue dira,
L'enfant n'a pas une bonne position. Il faut l'intervention chirurgicale. En ce moment-là, nous devons aller vers Jésus pour qu'il tourne la position de l'enfant. Alléluia. Amen. Oh my. Nous respectons les médecins. Nous respectons les médicaments. Nous prions pour qu'il continue à aider les enfants de Dieu. Mais il y a certaines maladies. Les cancers dans les cerveaux. Samader, comment vous allez opérer? Samader, chawenet nous chuhandabis. Le cancer dans le cerveau. Cancer qui kala mubuang. Je connais un homme riche que j'étais le nom. Inti mume ni muntu mukwa mubanj wundi chinte leje ni jende to. Avec beaucoup de moyens. Mwikale ni mfuna ya bon. Il est parti en Inde pour se faire soigner. Kuye muende bwa kujondoesh. Les Indiens avec des appareils sophistiqués. Bang bambe ni muende ni byamu byose byakonda ho nabyaga. Ils ont regardé. Bo bugutangile. Nous ne pouvons pas opérer. Par la grâce, sa femme m'a appelé. Nous sommes en Inde. Mon mari a le cancer dans le cerveau. On ne sait pas opérer. Comme ils ne savent pas opérer, laissez-moi m'adresser au chirurgien. Je suis allé voir le chirurgien. L'ancien des jours. Il a une dose unique. Le Seigneur Jésus. C'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Il a un bisturi à longue portée. Oh, je ne sais pas combien ça mesure. Mais il a étendu son bisturi. Et cet homme-là est en vie jusqu'à ce soir. Si le Dieu de Branham peut quitter Mbujimayi par ma petite prière, une petite prière de mortel, et aller en Inde déchirer le cerveau, sortir le cancer. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour vous? Alléluia! Amen! Sans argent! Sans rien payer! Ici chez nous au tabernacle, nous ne faisons pas le commerce avec les dons! Non! Il a donné gratuit. Nous donnons aussi gratuitement. Alléluia. Amen. Sans argent. Sans rien payer. Ah. Oh. Un frère à Kinshasa. Moi, je travaille dans ma campagne. Sa fille avait un goût. Moi, je suis venu à Djibouti. Jacques, Moulami. Ma fille est née à Ngouate. Elle est sérieusement malade. J'ai dit au frère, paye l'avion, viens avec ta fille. Vous avez dit à Kinshasa, partout là, je sais. Mais tous vos pasteurs sont allés à partir d'ici. Il ne peut pas avoir plus de Dieu que le pasteur André Vibigil. Ils ont quand même Dieu. Mais quand ils arrivent au bout, leur église mère est ici. Et que les gens, ils
le frère ne m'a pas écouté. Moi ne t'ai pas le mal. Qui monte les chiens à moi, mais tu vois que nous quoi tu J'ai respecté cela. Mais me connais même qu'un chinat. Son pasteur à de Kinshasa lui a dit va à Dubaï, on va opérer les voies. Pasteur Wendo, wako chinsan sa kumabili bwani, futa ndekende ku Dubai, baka handa chiboji bojeji. Il est parti à Dubaï avec sa fille. Ye yeku yeku Dubaï, ni mwani ndo bakaji. Il a sorti des dollars, 5,000 pour qu'on puisse opérer les quatre. Ko hatu landola, binono bitano, bwa bahanda, bahatu le chiboji boji. Ils sont rentrés à Kinshasa. Bo bukumbu ku Dubaï, kwa lukile ku chinsan. La fille devenait de plus en plus malade. Mwana bakaji kaji kuhita kusame. Chakra. Mulami. Ma fille est toujours malade. J'ai dit au frère, je te répète la même chose. Viens avec ta fille. Cette fois-ci, il a pris l'avion. Ils sont venus. Nous sommes allés avec l'honorable Célestin Muzembachov. Dieu est dans sa grâce est descendu. Zambi munga sawen ekuhweka, c'est vrai. Cette fille, les boîtres là, c'est seulement le centre de la maladie. Pardon? C'est seulement le centre de la maladie. Mais en réalité, cette fille a le cancer dans tout son sang. Sa madère, vous pouvez soutirer comment le sang infecté par le cancer. Sa madère, vous pouvez vous soutirer. La fille avait le cancer dans tout son sang. Mais cela a été seulement manifesté sur son goût comme un quatre. Kaji cancer ka vumu mashi mubiji mujima. Kalo kuji sunguru jana mu mineyo. À Dubaï on a opéré seulement les quatre. Ku Dubaï bobo ku handa muchiboji boji. Makutamakanyanga bunyu kasaji. Mais le cancer dans tout son sang. A dit cancer, mumashi a mubidi wendons. Écoutez la conduite du Dieu de Vibidi le Mwana Manyang. Teleja ibulombo jibwa nzambi wa Vibidi le Mwana Manyang. Comme la fille avait le cancer, même dans les seins. Mumu mwana obakaji le cancer, toi mumu mabeli. Laissez vos histoires, nzambi wako vous touchez le corps intime des filles. Laissez ça. Dieu dit que la mère de la fille impose les mains sur le sein de sa fille. Toi, Muzembe, imposez maintenant vos mains sur la tête de la mère. La transmission. Dissambulouja. Moi et Célère. Même et Célère. Nommé sur la mer. Bien de bien tout. Moutou à moment de moi en abagage. Le père était là. T'as tué de moi en abagage, moi bao. Et la mère. Ni mamou. La mère peut toucher le sein de sa fille, il n'y a pas de problème. Mamou, tu vois que l'on m'a belle à moi en abagage. Et le grand médecin interniste est descendu. Ni n'en a boucan. Ou tu vois non, ma sama moun et kouwek. Instantanément, on a nettoyé tout le sang de la fille. Aujourd'hui, elle est mariée. Elle a 6 et 3 enfants. Que dites-vous que c'est? Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Oh, je vous aime. Les peuples rachetés de Dieu. La race d'Abraham. De sainte fille de Sion. Vous avez de la valeur plus que le sang de Jésus. Dieu a répandu son sang sur la terre pour vous avoir. Zambi wa kele mashenda hanshi wa kunu hetenwen. Est-ce que j'ai déjà commencé à prêcher? Levez-vous, nous allons lire dans Hébreux 11. Je vais prendre les écritures du prophète. Commençons d'abord dans Genèse 22, là où il avait aussi dit.
Il avait pris ce test pour préparer l'église à la service, au service de guérison. Comme il devrait prier pour les malades, il préparait l'église avec ses écritures. C'est ce que je suis moi aussi conduit à faire. Comme exactement le prophète avec les mêmes sujets. Genèse 22, 7 à 8. Alors Isaac parla à son père et dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu s'est pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. De grâce, veuillez vous mettre pendant que j'ajoute une autre écriture dans Hébreu. 11:40. Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. C'est le prophète, quand il avait lu ses écritures, écoutez ce qu'il dit. Je suis dans le message, Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. C'est une prédication du 19 juillet 54. Je prends le point 7. Fébra me dit, donc il prend l'écriture de Genèse. Il dit dans les livres de la Genèse, chapitre 22, je souhaiterais lire des passages ici, juste avant le service. Non, il avait le service de guérison. Mais il a d'abord prêché ça à l'église. Comme nous avons aussi service de guérison dimanche, c'est que j'ai pris les mêmes écritures. Nous, dans les messages, nous ne débrouillons pas. Notre source d'inspiration, c'est dans Malachie 4. Nous ne fabriquons rien. Fébaramadi, juste avant les services. Alors, Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils, mais voici. Isaac reprit, voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Maintenant, dans l'épître aux Hébreux, chapitre 11. Donc, c'est exactement comme nous avons dit là. Ici, maintenant, je répète le prophète. Au verset 40, c'est Paul qui parle. Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous. Maintenant, je souhaiterais baser ma pensée ce soir sur Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. C'est le sujet qu'il a donné après avoir lu ses écritures. Et c'est le sujet que je prends aussi. Maintenant, écoutez ce que dit Ambala. Maintenant, je souhaiterais baser ma pensée ce soir sur Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Comme notre service sera surtout
consacré à la guérison divine. C'est ainsi que l'Esprit m'a conduit à prendre aussi la même exhortation. Comme nous projetons aussi un service de guérison divine. Alors, Fébenam dit dans cette prédication-là, au point 25, il avait pourvu à l'accomplissement de ce qu'il avait promis par Isaac. Jésus-Christ, son propre fils qu'il n'avait pas épargné. Pour pourvoir à un sacrifice éternel. Écoutez. Car chaque génération qui viendrait après Jésus-Christ. Chaque génération après cela. N'aura plus jamais à chercher un autre sacrifice. Car en Jésus-Christ, Dieu a pourvu tout ce dont la race humaine a besoin. Toutes les préfigurations, tous les types ont été accomplis dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus était le rocher qui était dans le désert. Il était l'agneau qui était mort à la place d'Isaac. Alléluia. Amen. Il y avait un agneau qui était mort à la place d'Isaac. Il y avait un rocher dans le désert. Il y avait le serpent de reins qui était suspendu sur la perche. Il y avait l'ange qui descendait dans la piscine de Bethesda. Les gens avaient les regards fixés sur la piscine pour voir l'ange. Chaque type de l'Ancien Testament a été accompli en Jésus. Il était et il est le sacrifice éternel auquel Dieu a pourvu pour le péché et la maladie. Alléluia. Amen. En lui se trouvait la puissance de maître. Ou plutôt de pardonner chaque péché qui ait jamais été commis. En Jésus-Christ. Rien qu'en Jésus-Christ seul. En dehors de Jésus. Vous êtes perdus. Le sacrifice qui était. Et qui est. En lui. Se trouvait la puissance. De pardonner chaque péché. Le péché. La maladie est à Paris. Disam ekumwenek. C'est un attribut du péché. Disam nchambi bochampekat. La maladie. Disam. C'est l'attribut du péché. Nchambi bwa champekat. Voilà pourquoi nous sommes conduits à préparer d'abord les nôtres pour les grands rendez-vous le dimanche. Munayi bwa chinyi. Tujibalongo jibo bwa kulongola betu. Vous avez des crises cardiaques. Ujini masama myoyiman. Revoyez votre vie. Peut-être vous êtes un alcoolique dans la cachette là. Misangamikwa. Vous avez attrapé la tuberculose.
Peut-être vous fumez. C'est par ce péché-là que cette maladie est venue. Peut-être vous vous prostituez. Et vous avez attrapé des hémorroïdes. Si vous ne réparez pas cette faute-là, cette prière ne sera pas utile pour toi. Parce que dans le message, l'âge de l'église d'Éphèse, le messager dit que tous les membres du corps de Christ le sachent. Si vous cachez l'iniquité dans votre cœur, Dieu ne répondra pas à votre prière. Purifiez-vous avant d'élever vos mains vers Dieu. Voyez les genres de vie que vous menez au marché. Toi, une femme mariée, tu es allé plus loin au point où les femmes du marché chantent et toi tu danses au milieu d'elles. Tu es allé plus loin au point où les femmes du marché chantent et toi tu danses au milieu d'elles. Tu fais des humours exagérés au marché. Voyez un peu ces histoires-là. Parce que le messager dit, la maladie, c'est la tribu du péché. Nous, on pense que tu es trafiquant. Et que tu achètes les diamants avec l'aide de Dieu. Or, tu as des histoires de Kabwe. Dieu peut laisser la paralysie te frapper. Et là, si nous prions, rien ne va arriver. Dénoncez ces péchés-là. Tu as donné seulement la force à Satan. Maman, tu gardes la corne que ton grand-père t'a laissée. La corne. La corne. Le propriétaire de ces cornes est déjà mort, on ne l'a jamais mangé. Donc on épouse ta fille, tu donnes ça à ta fille. Mais dans ton sac là, nous chez nous, notre grand-père nous avait laissé ça. Bah c'est le moment de voir Bakaji. Au moins chez Carlos Senwaku, et ne elle a mouchu bouté chez. Une petite corne déjà sèche. Carlos Senwaku, qu'est-ce que ça peut faire pour ta fille? Kaji mo kwenze moana baba kaja uchi. Et si son mari prie beaucoup? Il kala ba yendo juste amele bicol. Pour la punir, Dieu la laisse dans la stérilité. Parce qu'elle a une petite corne que tu lui as donnée. Ce soir, appelle ta fille. Kazadi wa beng bintu abi pesha kalusengwa. Kazadi a refusé ces histoires-là. Donne-moi cette petite corne. Pour que tu aies des enfants, tu aies donné des enfants gratuitement. La petite portion de la peau du renard, très sèche, très vieille, tu la gardes pour faire quoi? Dieu t'a aidé à devenir maître avocat. Zambi mukombu luisha bwakulwa nzuji. Toi tu penses que ce morceau de peau là. Maintenant au parquet, quand tu traites les dossiers, tu as ce petit morceau de peau là dans ta poche. La main dans la poche, comme ça, en train de bouger et toucher cette petite peau là. La Bible dit, si quelqu'un manque de l'intelligence, qu'il demande à l'Éternel. Pourquoi vous allez faire des fétiches pour réussir au campus? Pourquoi? Maintenant vous attrapez la folie. Trouble mental.
ont pris sans suite dénoncer ce péché-là. La maladie est apparue. C'est un attribut du péché. Lorsque le péché est entré dans le monde, la maladie l'a suivi. Douleur au bas ventre. Il y a quelque chose qui m'habite seulement ici. Tu es allé à l'hôpital, on a opéré cela. Quelques jours après, cette histoire-là déjà opérée est revenue. Ça pousse comme le champignon à l'intérieur de toi là. Mais tu ne sais pas dire ce que tu as fait. Confesse à ton mari ce que tu as fait à l'école. Pour que cette histoire-là disparaisse. Le messager dit, le péché est entré dans le monde et la maladie l'a suivi. La mort l'a suivi. Disons-nous la vérité dans la maison. Tu ne fais que tromper ta femme. Je n'ai pas l'argent. Un jour, elle te surprend entrant dans la chambre. Tu étais en train de compter l'argent. Dis-tu quand pendant que quoi, tu es au ou pas souk. Tu es surpris. Tu sursautes. Tu entres dans la maison sans même m'avertir. Mais que ta femme t'avertisse pour entrer dans ta maison. Au lieu de dire que tu m'as surpris en train de compter l'argent, mais tu m'as beaucoup étonné. Je le dis en tchilopo pour que ça sonne bien. Mais tu ne sais pas clarifier la chose. Elle t'a surpris en train de compter ton argent là. Mais tu comptes cet argent en cachette pourquoi? On chante ici que 1 plus 1 donne 1. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Mais en cachette là, tu distribues l'argent aux filles du dehors. Dieu te donne le temps de te repentir, tu ne fais pas. Il envoie son ange souffler sur cet argent. Les dollars s'envolent. Une fois que cela s'est envolé, tu te débrouilles pour tenir celui-ci, tu te débrouilles pour tenir celui-là, ça ne tient toujours pas. Parce que tu ne payais pas de dîmes. La maison n'est pas bien encadrée. L'argent mal utilisé. Maintenant, c'est du travail. Priez pour mes activités. Répare la chose. Le péché est entré dans le monde. La maladie l'a suivi. La mort l'a suivi. Écoutez maintenant. Et Jésus est venu pour ôter le péché. Quand il a ôté le péché, il a ôté chaque attribut que le péché produit. Wakumbushe chambi buchonso tijimpekatu ulela. J'espère que vous voyez cela ce soir. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a tué le péché, hakashibe yimpekatu, il a tué tout ce que le péché produit. Wakashibe yibiosu bijibineji buku jimpekatu. Il a tué les soucis. Il a tué le tempérament colérique. Il a tué tout ce que le péché produit. Jésus a tué cela quand il est mort à notre place au calvaire. Il était Jéhovah Jireh. Le sacrifice auquel Dieu avait pourvu. Ça y est. Après son départ, il a dit,
je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai un autre emblème. Et moi, même, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et vous ferez aussi les œuvres que je fais. Même des plus grands. Car je m'en vais au Père. Et il a donné la commission aux êtres humains d'aller par tous les mondes, de prêcher la bonne nouvelle. Écoutez. Et démontrer la puissance du Saint-Esprit jusqu'à son retour. Pendant qu'il est sur le trône, en train d'intercéder, Jésus a libéré son esprit sur l'église pour que l'église accomplisse de grandes choses jusqu'à son retour. J'aime ça. C'est ici. Oui, quand on en arrive à ce point, vous ne pouvez pas me détacher de ça. Prêcher l'évangile, théoriquement seulement comme ça, et s'arrêter là. Non, monsieur. Non. L'évangile est toujours été accompagné de la puissance. Oui. Malachie 4 dit, prêcher l'évangile, c'est de démontrer la puissance du Saint-Esprit. Comme un signe, c'est le seul sacrifice auquel Dieu a pourvu ce soir. La personne du Seigneur, Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, ici ce soir, se manifestant comme Jéhovah Jireh, le sacrifice auquel Dieu a pourvu pour votre guérison ce soir, la personne du Saint-Esprit, Jésus-Christ, retourna sous la forme de l'Esprit. Voilà les sacrifices auxquels Dieu a pourvu, qui peut influencer le cœur des vrais croyants d'une extrémité à l'autre de la terre, là où ils seront rassemblés dans des salles. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Après son départ, le grand maître nous avait promis, je ne vous laisserai pas orphelin. Et le messager dit, il a envoyé le consolateur, il a frayé la voie pour la guérison de nos corps dans la personne du Saint-Esprit, la colonne de feu, le feu dévorant, la colonne de feu, l'ange de l'Éternel, celui qui opère les miracles dans l'église. Ce n'est pas frère Branham. Ce n'est pas moi qui parle. Mais Dieu lui-même, dans la forme du Saint-Esprit, la grande colonne de feu. Et Branham a dit, Dieu est terrible dans la forme de la colonne de feu. Faites très attention. Vous qui avez votre petite sorcellerie là. Pharaon a eu le temps de se jouer des enfants d'Israël. Il a fait ce qu'il voulait avec Israël. Mais il ne savait pas que Dieu était dans le programme. Le jour où le temps de Dieu est arrivé, Jannès et Jambres ont invoqué le Dieu d'Égypte en vain. Vous
umuri mubi jiri jilo oja bantu ba mu fami wa shebe wenze bizambi mu kwesha tawa wo kunyingala wo uri moneni uji ni bugole dinga dituku. Tu es habitué à ensorceler les membres de ta famille. Dieu t'a donné le temps pour te repentir, tu ne veux pas te repentir, mais il y aura un jour. Tu vas te dire que non, c'est l'habitude. Un jour, tu vas affronter un autre qu'il ne faut pas affronter. Il a dit, ne touchez pas à mes oins. Wakambane, quand nous l'aimons bien le mani banito. Ne touchez pas. Quand nous l'aimons. Et toucher mon fils ou ma fille, c'est toucher la prunelle de mon œil. Kulenga mwana nyabalum. Muna mwana nyabakash. Kulenga munu kanika jis. Je suis l'Éternel, je ne change jamais. Njiu Yehowa, tena shintu lukato. On ne joue pas avec Dieu. Zambi kabatu bana yinenda to. Il est redoutable. Ujou ke méchant. Dieu ne blague jamais. Zambi katuwa na mina kumibile la to. Sanquerib est un homme fort. Sanquerib vous montez beaucoup la babouille. Il a conquis des provinces et des provinces. Il écoute mon province et une province. Mais il s'est hasardé un jour. Il a envoyé Rab Shaké. Pour mettre en garde les dieux d'Israël. Allez dire au roi d'Israël. Que l'Éternel ne vous trompe pas. Sanquerib. Que Jéhovah ne vous trompe pas. Yehowa kanushimito. Demandez partout où je suis venu. Kokaimia beyosinji memu muhichil. Ce que j'ai fait. Chinji mwens. Que Jéhovah ne vous trompe pas. Yehowa nawu kanushimito. Alléluia. Amen. Le grand majesté. Fumumunin. Qui vole sur les ailes des chérubins. Ujubuka hamahoha mikanku. Il a des fumées dans ses narines. Ujini mwishi mumbipembenya ya jul. Dans sa bouche il y a le feu dévorant. Mwende mukana mujimu watukakaja katika bikula. Le dieu de Branham. Zambi wa Branham. C'est lui l'auteur de foudre. Yeye ki mwishi wankuba. Allez dire aux féticheurs de Kabwe. Ndaino amila bena mangaba kukabu. Notre dieu. Zambi wetu. C'est l'auteur de foudre. Qui mwezi wankuba. Alors le roi d'Israël. Binyafu mwayisele. A pris la lettre des anji. Yeye kwanga temukande vwebafunde wabi. Il est allé au temple. Yeye kuye mu temple. Est allé la lettre. Kuteke mukanda. Devant les grands majestés. Kuteke mukanda kumpara kwa mfumu munene. Mes précieuses sœurs. Bane betu babakanye bamushinga mukole. Je vous livre les secrets. Njino hese mu seconde. Si vous avez un problème. Wewe mwikale ni bwalo. Ne soyez pas pressé de poser votre problème. Wewe ukwi kuyeluka seluka sebo kwa kwamba bwalo bwe betong. Allez à genoux. Nda kubina. Commencez d'abord à l'exalter. Ange, à l'exalter. Ange, toi, je commence à agir. Commence à que tu es grand. Où tu m'en es. Que tu es puissant. Où tu as beaucoup. Que tu es réel. Où tu as beaucoup. Exalte-le d'abord. Monsange, que comme palace, c'est vrai. Toi-même. Dans ta chambre, tu vas sentir sa présence. Non, oui, quand tu as couvert, c'est alors que tu peux poser ton problème. Il y a où tu veux bien que tu bouges là. Le roi d'Israël a pris la lettre. Fumoyeze le quoi quand il est allé au temple. Il a écouté mon temple. Il a commencé à exalter les grands chevaux. Il a écouté toi, je suis ange, je suis homme monen. N'est-ce pas toi le créateur des cieux et de la terre? Oui, ok, mon fou, quoi tu ne bouges pas ange. N'est-ce pas toi le puissant conquérant? Oui, ok, mon mais écoute ce que Sanquerib dit. Quand tu vois un mouille qui est changé en bête, tu l'as dit Sanquerib ou un. Sanquerib te met en garde. Sanquerib n'a pas eu de mouille. Oh my. J'aurais aimé être là. Pendant que le roi parlait au grand Jéhovah, j'ai poussé des grands cris. J'allais les magnifier. Et la réponse est descendue au prophète. Allez dire à Sanquerib. Moi l'Éternel. Je connais quand est-ce qu'il sort. Et quand est-ce qu'il rentre. Dites au roi Sanquerib. Je connais quand est-ce qu'il dort. Et quand est-ce qu'il se réveille.
toi, Sennacherib qui m'entend ce soir. Ouais, ou Sennacherib, où tu veux te laisser dire le toi, Sennacherib qui défie le peuple de Dieu. Ouais, ou Sennacherib, où tu le bannes, Banzami, que tu aimes. L'éternel, notre Dieu. Ouais, tu es dans le Banzami, ouais. Ne dors pas. Katoula, le ton. Ne somnole pas. Katoubou, il a tout le ton. Toi, Sennacherib. Ouais, ou Sennacherib. Qui a jeté des maladies. Qui a jeté des maladies. Toi, Sennacherib. Ouais, ou Sennacherib. Qui a jeté la stérilité. Toi, Sennacherib. Ouais, ou Sennacherib. Tu as jeté la maladie. Où tu veux que sur l'épouse de Jésus. Oh, mouka, je vous salue, yes. Ce soir, je te dis. Le Seigneur Jésus. Moukalaga, yes. Le Dieu de Branham. Zami wa Branham. Ne dors jamais. Katula, le ton. Il a des yeux qui voient. Où tu ne mets soit d'amouna. Il a des oreilles qui entendent. Où tu ne mets à du ouvre. Il est puissant dans la bataille. Où tu en vois, pourquoi la mouille vite. Il ne combat jamais à Rakilo. Katula. Sennacherib, Sennacherib, laisse le peuple de Dieu. Ne que les gens sont battus ensemble. Retire-toi. Alukila hanima. Avec tes maladies. Ni masame abau. Sennacherib. Je te mets en garde. Ni on coupe de mouche. À partir de ce soir. Putain, tu ne coupes pas le nez. Après demain. Aïe, comme minimum malade. Rendez-vous dimanche. Tu vois que c'est un homme qui est 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 je te mets en garde. Nya ugu so wesha. Ce peuple est racheté. Kisambe chenji kula. Ce peuple est sous le sang. Kisambe chenji mushi mamashi. Ote temezi le peuple de Dieu. Umbu si biazi bebatiza wajanzami. Je te fixe rendez-vous. Nje tuhugi sana neb. Je te fixe rendez-vous. Nje mwate tuhugi jineb. Le dimanche. Muja lupim. Toi. Wow. Sennacherib. Sennacherib. Qui te fait l'aide de l'épouse. Uji wana muka jemusele kajom. Sennacherib, toi Pharaon, où est Paul? Toi Pharaon, où est Paul? Laisse le peuple de Dieu. Là que les gens battent ensemble. Sinon c'est ton problème. Puis moi je n'en coûte pas un chilombo. Sinon c'est ton problème. Puis moi je n'en coûte pas un chilombo. Sinon c'est ton problème. Puis moi je n'en coûte pas un chilombo. Pharaon, Paul. Pharaon, Paul. Laisse le peuple de Dieu. Là que les gens battent ensemble. Pharaon, Paul. Cancer. Cancer, tuberculose, tchadji, diabète, subitame de sucre, sinusite, sinusite. Quitte le peuple de Dieu. Où bukai muti samba chanzam. Au nom de Jésus. Putine de Jésus. 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 Alléluia. Amen.
Thank you.
Nous te remercions pour ta présence parmi nous ce soir. Nous te remercions pour cette grande visitation. Nous te remercions, Jésus-Christ, notre Dieu. Parce que les saintes écritures disent, lorsque tu envoies ta parole, elle ne peut pas rentrer à toi sans effet. La parole que tu nous envoies, elle ne peut pas rentrer à toi sans exécuter ta volonté. Merci pour la parole que tu nous as envoyée ce soir. Elle nous a donné la guérison. Parce que tu nous as dit dès le début que quand William Branham a travaillé, ce n'était pas lui qui guérissait. Ton serviteur nous a dit que non plus lui ne guérit pas. Mais tu nous as dit que c'est le Saint-Esprit qui guérissait. Maintenant, Jésus-Christ, notre Dieu, moi je te remercie, Seigneur, parce que tu as guéri ton peuple. Parce que tu avais pourvu à la guérison dans cette génération. Je crois de tout mon cœur qu'il y a des cancers qui ont été guéris ici, Père. Je crois qu'il y a des hémorroïdes qui ont été guéris ici ce soir. Je crois de tout mon cœur qu'il y a des tuberculoses et toutes les sortes de maladies qui sont guéries ce soir. Parce que la parole que tu nous as envoyée, c'était un véritable produit. C'est cela ce qui nous guérit de toute maladie. Maintenant, Jésus-Christ, notre Dieu, donne la victoire à chacun de nous ce soir. Laisse-nous marcher en vainqueur ce soir. Parce que nous avons renversé Sangarib avec son armée. Ils sont vaincus devant l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ, ne permet pas que Satan puisse nous arracher cette grande victoire. Qui ne donne pas les doutes à tes enfants. Que chacun de nous ce soir croie à sa guérison, croie à sa délivrance, croie à son salut. Merci beaucoup, Jésus. Toi, tu nous accordes plus que ce que nous demandons. Qu'il en soit ainsi ce soir, parce que tu es descendu parmi nous comme le Dieu Tout-Puissant, et tu as vaincu certainement nos ennemis. Et ce soir, nous partons en vainqueur. Merci, Jésus. Bénis ton serviteur Livail. Bénis les richement, Seigneur. Donne-lui encore de la force. Encore le courage. Pour que ce dimanche, nous puissions bouter dehors tous les petits esprits qui tournoient encore. Parce qu'avec Jésus, nous avons la victoire. Dieu Tout-Puissant, je te recommande la journée du dimanche.
Sois au rendez-vous. Qu'aucun démon n'échappe. Que tu sois vaincu. Maintenant, Père Céleste, nous allons passer aux écons services. Les services de collecte. Bénis-les dès le début jusqu'à la fin. Alors que nous le consacrons à toi, Jésus. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le diacre Pierre Kalinde et Nathanaël demandent à leur juridiction de les rencontrer après culte. Moulami Pierre Kalinde du Boué, ni Moulami Nathanaël, Barba Lombito Biawani Bakatoula Nanabu, Animantin de l'Eau. Dans la juridiction Pierre Kalinde, Moutito Achamoulami Pierre Kalinde, le frère Seba du quartier de l'émission, Manetobel Maseba wa mou quartier ka. Mission du quartier centre d'émission. Mon quartier ka centre d'émission. Il a perdu son père hier. Moi si mija papa wenda makere lao. Le deuil est derrière la commune de Gibindi. Matilu adianima ansubwa mudumu wa commune wa Gibindi. Dans la juridiction Jean Kamou. Mututo wa chamula mi Jean Kamou. Le frère Kazadi Baido a perdu son fils de 17 ans.
Il tient l'odeil chez lui. Adresse. Près du huissier Capé. Dans les environs du collège moderne. Le deuxième communiqué, il nous dit que la sortie du corps du frère Chimanga est prévue demain à 10h. Dimanche de Bidi, ou Lutma Chibani, Diatula Damubidi, ou Amone Tobolo Machimanga, Dilongola Malaba, Mudiba, Sambanzolo. C'est à la morgue de Bonzola. Mouzoubois de la Minibidi, ou Amachigam Bonzola. Il nous informe aussi que notre frère Ilunga Matembela, son frère est décédé depuis mardi. Adresse, quartier Tendeur, mon quartier Katander, avenue Bichompoka. Inclinons nos têtes. Créateur des cieux et de la terre. Merci pour ton grand amour envers ton peuple. Car de temps en temps, tu montres toujours cet amour envers nous. C'est pourquoi donne-nous d'en profiter et de préparer nos vies en conséquence. Maintenant que nous voulons nous en aller, nous nous abandonnons entre tes mains dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Allons dans l'ordre de nos huissiers et de nos diacres. Shanani a ipondinga sambila imuchimuni oh imuchimuni oh imuchimuni oh imuchimuni wandi muse musungi. Chimuni, oh, dimuchimuni, oh, dimuchimuni, oh, dimuchimuni. Bandi muse, musungidi, oh, iuse keshani, muse. Veillez à ti avec moi, ine. Comme je vais là-bas, et iras-tu avec moi, il est pendant que je vais prier. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur, oh, je suis un vainqueur, oh, je suis un vainqueur.
Quand j'aime Jésus, qu'il est mon sauveur, il me sourit et me pense. Je suis un vainqueur, oh, je suis un vainqueur, oh, je suis un vainqueur, oh, je suis un vainqueur. Quand j'aime Jésus, qu'il est mon sauveur.